Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à Washington DC. Nous sommes avec Manuel Wanji. Manuel Wanji, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va. Un peu dans le décalage horaire, mais ça va quand même. Très bien. Alors, vous êtes aux États-Unis dans le cadre d'un certain nombre de vos activités musicales. Est-ce que vous pouvez nous dire mieux par rapport à ces activités musicales? Alors, en fait, je suis venu à la base invité par une journaliste de Voice of America, oui. Ici à Washington, D.C., oui. Qui s'appelle Heather Maxwell, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs à Yaoundé oui. En juin 2014. Et elle avait beaucoup aimé mes musiques, puisqu'elle avait déjà fait quelques interviews par téléphone, parce qu'on ne se connaissait pas. Oui. Après, on s'est retrouvé à Yaoundé, et puis je l'ai un peu traîné un peu partout, présenté des musiciens. Oui. Et puis, elle a été très surprise aussi de l'accueil chaleureux que le public me fait, autant dans la rue. Et elle a découvert aussi toute ma carrière, finalement, vraiment en Afrique, quoi. Elle pensait que j'étais connu seulement peut-être en Europe et elle a été très très surprise. Et donc elle m'a dit, écoute, j'ai envie qu'on puisse faire un peu plus loin, des choses un peu plus concrètes et peut-être de faire plus d'émissions. Et comme j'étais à New York pour une dizaine de jours, oui. Elle m'a proposé de faire un petit saut ici à DC. Voilà, donc je suis content. Ben voilà, nous sommes très contents de vous recevoir en cette soirée. Si vous aviez un message à porter à l'attention des jeunes, quel message voulez-vous qu'ils retiennent de vos œuvres musicales? Alors, c'est vrai que le public camerounais, je pense, est très sensible, surtout à travers mes chansons que j'avais sorties d'ailleurs sous le pseudo de Wambo, parce oui. qu'au pays on m'appelle vraiment Wambo. Oui. Et c'est vrai que la chanson, par exemple, Donner son cœur en amitié, c'est pas facile, oui. a été vraiment un très grand succès. Mais je pense que c'est, bon, la mélodie effectivement est sympa, mais je pense que c'est le texte qui a beaucoup touché les gens. Oui. Et je tiens beaucoup à rester très en phase avec le social et, oui. et les problèmes finalement des jeunes, quoi, des gens. Et je pense que les gens s'y retrouvent et apprécient beaucoup ce que je fais. Quoi. Et puis bon, je ne suis pas non plus un artiste très compliqué, donc les gens peuvent me croiser dans la rue, je peux discuter. Oui. Je veux rester quelqu'un de populaire et d'accessible. Voilà, en tout cas. Nous avons constaté dans vos œuvres musicales que vous y mettez pratiquement tout. Il y a la nature, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a les astres, il y a le sourire, il y a l'accueil, il y a la chaleur. Il y a tout dans votre musique. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette approche musicale en ce qui vous concerne? Parce que c'est quand même singulier, cette approche musicale. Bon, moi, j'essaie d'être plus honnête avec moi-même quand je crée, oui. ou quand je produis d'ailleurs d'autres gens, parce que j'aime aussi bien produire beaucoup d'autres artistes. Oui, vous en avez déjà produit beaucoup? Bon, le plus connu, c'était Henri Dikangé, bien sûr. Maintenant, ça remonte à plus de 15 ans. Oui. Mais prochainement, on va sortir un album de Gaby Fauxpas. Gaby Fauxpas, oui. Qui avait un peu disparu pendant quelques années, mais en fait, ça fait 2 ans qu'on préparait aussi un très, très beau projet. Oui. Et c'est bien parce qu'il a vraiment su s'investir, se remettre en question aussi. Et justement aborder peut-être les choses avec plus de sensibilité et de, j'allais dire, il a compris que la musique c'est pas seulement des notes, mais c'est aussi comment on formule le son, comment on peut arriver à mettre les gens dans une ambiance pour que votre texte puisse justement passer, quoi. Oui. Et essayer de trouver des mélodies aussi qui accrochent facilement. Parce que le public s'accroche parce qu'il y a une mélodie qui retient, il a envie de chanter. Tout à fait. Et je pense que souvent les gens me disent, oui, tu es un faiseur de tubes. Oui. Mais en fait, c'est parce que je travaille là-dessus. En fait, je travaille sur une relation assez simple, en fait, dans les mélodies. Oui. C'est sophistiqué, mais en même temps, c'est accessible à tout le monde, quoi. Voilà. Est-ce que c'est très difficile d'arranger une musique? Bon, quand je fais mes propres musiques, c'est vrai que c'est des fois un peu plus difficile parce que comme je suis producteur aussi, donc c'est un peu difficile des fois d'avoir le regard sur soi-même. Oui. Donc ça me prend un peu plus de temps. Oui. Par contre, c'est vrai que si je produis quelqu'un, c'est oui. quelque chose que j'arrive finalement à sentir assez facilement. Lui dire non, on va changer cette partie, on va garder plutôt celle-là. Oui. Moi, je pense que tu chantes trop haut, il faut apprendre à descendre plutôt ta voix parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de chanter toujours très haut. Et je pense qu'en fait, des fois, il faut,
au mieux revenir à une voix plus parlée, ce qui fait que ça touche plus les gens. Oui. Donc c'est un peu tout ce travail que j'essaie de faire. Après, la grande difficulté, c'est de trouver aussi l'artiste qui accepte de se faire diriger, oui, et qui lâche un peu. Vous savez, c'est un peu comme le travail d'un producteur avec un acteur. On va dire, oh, cet acteur, il joue trop bien. Mais oui, c'est aussi parce qu'il a été dirigé, oui, et qu'on lui a peut-être laissé de la liberté, mais on l'a aussi cadré. Oui. Et c'est cet ensemble de cadrage, de lâcher prise, oui, qui fait que on obtient quelque chose qui est plus vrai. Et du coup, l'artiste est plus mis en avant, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire quand je produis quelqu'un. C'est pas de faire du Wanji, c'est d'essayer que quand on écoute la personne, on sent que c'est vraiment elle, quoi. Voilà. Donc, il y a des gens qui se produisent eux-mêmes, mais ils sont à côté d'eux-mêmes. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, c'est un peu du coaching. C'est un peu du coaching artistique. Artistique, psychologique. Il y a beaucoup de psychologie. Oui. De mettre en confiance. Vous savez, quand on fait des prises de voix, il faut que ce soit une relation de confiance avec le producteur qui est là, qui enregistre, oui, pour que l'autre se libère vraiment. Et moi, je suis là pour juste essayer d'attraper là les meilleurs moments, oui, monter les meilleurs moments et se dire, voilà, ça, c'est la bonne direction. Là, non, je pense que tu forces trop, c'est pas naturel. Oui. Bon, voilà, c'est un peu ce travail-là. Donc, mais c'est un travail très intéressant. Très intéressant. Cause it's the time to pray. Oh, 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 the time to pray. When the sun goes down, I really want to sing a song from myself, and just singing from myself. Bokio, just a song from myself. Bokio, a quiet place, a quiet place. Quelqu'un voulait s'inscrire à une école de musique et qu'il veut vraiment arriver dans votre cercle, quels sont les premiers éléments qu'il devrait connaître? Quel serait son ABC? Moi, je pense que la première des choses, c'est la passion. La passion. Les gens oublient toujours. Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup d'images, oui, où les gens veulent, tout le monde veut être star, à, oui, n'importe quel prix d'ailleurs. Oui. Et moi, je dis toujours, les gens me disent, oh, la star, la star. Je dis, moi, c'est pas comme ça que je me vois. Oui. Moi, je me vois comme un artiste qui a envie de faire les choses avec sa passion. Mm-hmm. Après, si ça réussit, les gens me voient comme une star. Bon, ça, c'est presque leur problème, mais c'est pas. Or, aujourd'hui, on a beaucoup inversé les choses. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent d'abord être une star avant d'avoir quelque chose à dire ou d'être dans leur passion. Tout à fait. Je pense que c'est important de remettre un peu les choses dans l'ordre. Oui. On devient une star si le public a décidé que vous deveniez une star, mais ce n'est pas vous qui avez décidé de devenir une star. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'une star, ce n'est pas un métier. C'est people. C'est... Vous-même, vous allez avoir plus de désavantages d'être une star que vraiment d'être... Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui se sont perdus, je pense, avec... beaucoup de jeunes aujourd'hui se perdent dans une mauvaise direction. Je pense qu'il faut d'abord être passionné, oui, faire ce qu'on aime, oui, quel que soit le métier d'ailleurs. Oui. Et puis si ça réussit, si Dieu vous donne ça, bon, ça va réussir. Mais soyez concentré sur ce que vous faites, quoi. C'est pas le star system là, c'est bon. Alors vous avez donné des conseils là aux jeunes. Est-ce que vous avez certains artistes qui sont sortis de votre moule ou bien qui sont sortis de votre école? Comme je parlais tout à l'heure, c'est Henri Dikongay. Oui. C'est vrai que c'est l'artiste avec qui j'ai pu, je pense, aller le plus loin pour l'instant. Oui. On a fait quand même deux très beaux albums dont je suis toujours jusqu'aujourd'hui très fier. Oui. J'avais produit aussi un Congolais. On avait fait un groupe, c'est un peu passé inaperçu au Cameroun, mais en France, ça avait quand même assez reçu de bonnes critiques. Il s'appelait Radio Trottoir. Oui. Voilà, là, il y a le projet de Gabi Fauxpa. Et la plupart du temps, bon, les gens connaissent un peu moins ce travail-là. C'est que je fais énormément de bandes-son pour des chorégraphes. Oui. Donc, je fais beaucoup de bandes-son qui tournent dans le monde entier, avec des spectacles qui tournent vraiment dans le monde entier. Et c'est aussi tout un travail de pouvoir se projeter dans le travail de quelqu'un d'autre qui n'est pas la musique, oui, mais qui est aussi quelque chose de très proche, parce que la danse et la musique, pour moi, c'est vraiment c'est la même chose. Oui. L'un s'exprime avec son corps, l'autre avec son instrument, mais bon... Pour moi, c'est le même langage. Oui. Et ça permet aussi d'ouvrir d'autres portes, de travailler avec d'autres cultures,
des quatuors à cordes, des fois on me demande de travailler avec des Indiens. Oui. Là, je sors d'un spectacle avec 5 musiciens du Rajasthan. Vous voyez, c'est des fois je suis dans des combinaisons un peu particulières, mais à chaque fois ça m'ouvre vraiment l'esprit. Oui. Et ce qui est génial avec l'art, c'est que même si vous parlez pas la même langue, Oui. vous pouvez partager quelque chose et arriver à donner finalement naissance à une création qui des fois est très originale, Très quoi. original. Alors, vous avez parlé de la création et que tout vient de l'esprit. Alors, pour la curiosité de ceux qui vont vous voir, quels sont vos grands thèmes musicaux? Quelles sont vos grandes orientations musicales? Alors, je vais sortir un deuxième album de Wambo, Oui. donc j'espère cette année. Oui. Vous savez, la situation est très compliquée au pays avec la piraterie qui nous a minés vraiment depuis 10 ans complètement. Les sponsors qui ont vraiment du mal à suivre, Oui. ils ont beaucoup d'argent pour les étrangers, mais ils ont encore beaucoup de mal à comprendre qu'il faut qu'ils investissent dans la musique camerounaise. Oui. Et puis bon, je parle même pas du ministère où on n'a toujours même pas un théâtre, comme je dis souvent, en 50 ans. Donc vous Oui. voyez, la situation est quand même vraiment très compliquée. Parce que les gens me disent, ouais, pourquoi tu ne sors plus de chansons, tout ça, mais si vous vous faites ramasser par la piraterie, que vous investissez comme moi, mon dernier projet qui a coûté presque 30 millions de francs CFA, Oui. et que tout le monde vole tout, alors vous êtes la star, justement, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Mais si vous êtes une star avec les poches vides, moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai un loyer à payer, je suis comme tout le monde, quoi. On reste des êtres humains, on ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Tout à fait. Donc, mon prochain album arrive Oui. et j'ai beaucoup tenu aussi à toujours parler de problèmes sociaux, des relations entre les gens. Il y a un thème sur la jalousie, il y a un thème, même des chansons d'amour, il y a un Oui. peu de tout, quoi. Et j'espère que le public camerounais sera en tout cas sensible à ça. Ben, je pense que le public américain est déjà assez sensible parce que vous êtes actuellement aux États-Unis et nous avons constaté que partout où vous allez, les gens ne manquent pas de dire « Ah, je vous connais, ah, je vous connais ». Quand vous êtes passé à Voice of America, c'était vraiment la grande liesse. D'ailleurs, vous passez encore à Voice America incessamment, c'est ça? Oui, demain je fais cette fois-ci la grande émission qui s'appelle Music Time in Africa, Music Time in donc Africa? qui sera de 30 minutes 30 et minutes. consacrée uniquement à moi. Donc vous pourrez me retrouver bientôt sur le net avec ça. Ben, c'est vraiment un honneur pour le Cameroun de se retrouver comme ça, qu'un Camerounais porte haut le drapeau camerounais, la chaleur camerounaise devant le public américain, devant les radios américaines. Et puis, nous ne sommes que très heureux de savoir que vraiment vous avez le vent en poupe. Merci. Bien voilà, nous allons bientôt arriver au terme de cet entretien. Nous aimerions que vous nous fassiez tout de même une certaine petite faveur. Une petite faveur par rapport à vous en tant qu'artiste et tout. J'espère que vous avez beaucoup de dollars. Ben, Ici, vous raisonnez toujours en nous dollars. raisonnons en dollars, mais nous allons justement aller en dollars. Nous voulons vous demander, vous êtes un jeune dynamique dans la musique. Vous avez rencontré de très grandes vedettes de la musique camerounaise et vedettes mondiales. Alors, si l'on vous posait cette question assez simple, quelle serait la génération qui prendra les rênes dans le futur, quand les grands musiciens comme les Manu Bango vont partir, on vous demande de constituer une équipe des jeunes musiciens camerounais, une équipe nationale des lions indomptables musicaux jeunes. Si vous pouviez constituer cette équipe-là pour nous. Bon, je ne sais pas si je serais capable de constituer toute une équipe. Bon, je peux parler en tout cas des gens que j'ai repérés, en tout cas qui je vois dans leur attitude, parce que c'est aussi un problème d'attitude. Oui. Même s'ils ont un succès aujourd'hui, il y en a, on sait très bien que ça ne va pas durer. Et il y Oui. en a d'autres, on sait que ce n'est pas seulement un succès du moment et que ça va continuer en montant. Et la première personne à qui je pense, c'est Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, ah, vous la placerez à quel niveau? Parce que là, vous constituez une équipe des jeunes lions indomptables de la musique camerounaise. Vous deviez constituer Bon, un gardien moi, de but à la défense, à l'attaque, au milieu de terrain. vraiment, je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment un super fan du football. C'est pas quelque chose que je suis vraiment beaucoup. Nous parlons musique. Donc, j'aurais un peu du mal à situer même vraiment tout ce que les fonctions de tous les joueurs. Oui. Même si quand le Cameroun joue surtout à la CAN ou au Mondial, je Oui. suis quand même devant mon poste parce qu'on est quand même patriote, quoi. Camerounais. Donc nous Et avons déjà puis, Charlotte voilà. Dupanda. Mais pour revenir bon, à des choses un peu plus
vraiment attrait à la musique. Oui. Je pense que la carrière de Charlotte est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus. Oui. Et elle l'a prouvé d'ailleurs récemment en remplissant la Cigale à Paris, oui, qui est quand même une salle prestigieuse et qui n'est pas évidente à remplir. Oui. Et elle a vraiment réussi à le faire. Et je pense que sa prochaine étape, ça sera l'Olympia. Et peut-être, oui, même plus tard, dans 10 ans, ça sera Bercy. Tout à fait. Je lui souhaite, parce qu'elle le mérite. C'est quelqu'un qui chante très bien, qui est, oui, concentré sur ce qu'elle fait. Oui. Et puis, du coup, elle a remis un peu, je trouve, le niveau. Parce que nous, malheureusement, bon, je serais peut-être un peu critique, mais je trouve que on n'a pas toujours eu des très bons chanteurs au Cameroun. Oui. Alors qu'il y en a, et ce n'est pas toujours ceux-là qu'on voit à la télévision, quoi. Oui. Et donc, du coup, ça me fait plaisir que le Cameroun soit derrière une artiste comme elle, quoi. Oui. Après, il y en a d'autres qui arrivent aussi, avec qui j'ai travaillé aussi, parce que Charlotte, on a travaillé, elle était dans mon groupe pendant 5-6 ans. Oui. On est venu d'ailleurs à Washington ici il y a plusieurs années. Oui. C'était un très beau concert, j'ai un très bon souvenir de ce concert. Oui. Mais aussi des Caresses Fotso qui arrivent, oui, hein, qui se bat vraiment bien et qui apporte sa couleur, complètement différente, mais qui apporte vraiment sa couleur. Oui. Et je pense que c'est bien que c'est un peu ces jeunes générations de femmes-là qui se battent, quoi. Voilà. Oui. Donc désolé, j'ai peut-être pas toute l'équipe, j'en ai quelques-uns, mais oui, peut-être dans un an, vous m'interviewerez encore, peut-être j'aurai encore d'autres à vous donner. Mais ah ben, ça fait du, voilà, bien. Alors, qui est-ce que vous allez mettre comme le coach de cette jeunesse musicale camerounaise, qui devrait encadrer la jeunesse musicale camerounaise? Malheureusement, je trouve peut-être que c'est là où les choses manquent un peu dans le pays. Oui. C'est qu'on a quand même une culture très individualiste. Oui. Chacun construit sa carrière souvent en ne pensant qu'à soi, quoi. Oui. On a encore du mal à voir une personne qui arrive à fédérer un peu et qui pourrait effectivement donner un élan, peut-être constituer un label. Oui. Bon, moi j'avais essayé avec Culture Mboa justement, oui, à l'époque, d'essayer de créer un mouvement. Bon, je me suis aussi cassé les dents, donc c'était pas évident. Oui. Donc c'est vrai que comme ça, a priori, à part un grand comme Manu Dibango, bien sûr, qui reste pour moi une grande référence et qui peut effectivement donner des conseils, parce que moi, il m'en a donné, il a su donner à d'autres. Il y a, oui, énormément de musiciens qui sont passés dans son groupe, oui, et qui ont débuté leur carrière quand même avec Manu Dibango. Prenez même un Vincent Guini qui a fait une grande carrière avec Paul Simon pendant 20 ans. Oui. S'il n'était pas passé par Manu Dibango, peut-être qu'il ne serait pas là non plus. Armand Sabal-Leko, oui, il y en a eu quand même plusieurs, quoi. Tout à fait. Voilà, mais je pense que ce qui nous manque peut-être encore aujourd'hui, c'est effectivement des gens qui sauraient... On manque de fédération. Tout à fait. Et je pense que si on était plus fédérés, on pourrait peut-être justement plus facilement remplir Bercy, oui, en faisant beaucoup d'artistes, mais, oui, qu'on puisse être tous sur le même plateau, quoi. Tout à fait. Or, pour l'instant, chacun organise un peu son petit concert, son truc. Bon, c'est un peu difficile, quoi. Mais ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Bien, voilà, nous sommes au terme de cet entretien, Monsieur Manuel Wandji. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question, vous avez un mot de la fin, une question qu'on ne vous a pas posée, que vous aimeriez, sur laquelle vous aimeriez vous étendre davantage, un sujet sur lequel vous voulez vous étendre? Donner son cœur en amitié, dans la vie, c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser, oh, dans la vie, c'est pas facile. Oh. Très bien, voilà, merci beaucoup, monsieur Manuel Wandji. Merci. Cela a été un très grand plaisir pour nous. I'm looking for a quiet place, a quiet place.